Donc j'ai décidé de devenir agent pour Econocom après avoir quelques années d'expérience dans le monde de l'informatique parce que j'avais envie d'avoir quand même une plus grande autonomie dans mes prises de décision tous les jours, une plus grande indépendance et aussi bien évidemment la possibilité d'augmenter ma rémunération. Et aujourd'hui on est trois à l'agence et on gère un peu plus de 25 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le plus d'un agent par rapport à un salarié d'une façon générale, c'est de pouvoir avoir une relation de confiance à long terme avec le client. Et le client est plus en capacité à nous faire confiance sur les nouveaux projets. Quand on monte sur un projet avec un agent Econocom, on a la garantie d'avoir un expert de très haut niveau, avec une prise de recul importante sur les dossiers et une capacité à gérer des sujets souvent complexes. Que ce soit en solution d'affichage dynamique, en tablette, en smartphone, la plupart de nos deals les plus importants sont souvent gagnés avec un agent Econocom. Le modèle agent Econocom est unique dans le panorama IT français. Les agents fournissent des informations précises sur le mode de fonctionnement, les attentes et les rouages internes des clients. C'est très précieux pour un constructeur comme HP, parce que ça nous permet d'adapter notre stratégie commerciale et de fidéliser nos clients communs dans la durée. Alors me lancer pour devenir agent, c'était un sacré challenge pour moi. C'est vrai que j'avais l'expérience, le réseau et l'envie de monter mon entreprise. Mais c'est vraiment le fait de le faire avec un groupe comme Econocom qui m'a fait sauter le pas. Qu'on soit un ancien d'Econocom ou pas, on peut bénéficier d'aide financière au démarrage. Et surtout, on peut se consacrer pleinement au développement commercial puisqu'on n'a pas géré la partie administrative, notamment la facturation des clients. Alors bien sûr, ça ne s'est pas fait tout seul. C'est beaucoup de travail d'être agent, mais aussi une grande fierté et une vraie belle opportunité. Je vais doubler mon résultat cette année par rapport à l'année dernière et j'envisage sérieusement de recruter pour continuer à développer mon agence. Le modèle agent est au cœur de la stratégie commerciale d'Econocom depuis plus de 30 ans et c'est aujourd'hui encore un des moteurs de notre croissance. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on recrute de nouveaux agents. Donc si vous avez la fibre entrepreneuriale et que vous vous sentez prêt, on a besoin de vous.